Eureka! Nous savons déjà que les choses aiment à continuer ce qu'elles sont déjà en train de faire. Elles n'aiment pas commencer un mouvement ou l'arrêter. Elles sont paresseuses. Il existe un autre mot pour la paresse, l'inertie. Et maintenant, la masse. Quelque chose de gros est tout aussi difficile à bouger qu'à arrêter. Alors qu'une petite chose est plus facile à bouger. De même qu'à arrêter. Le gros rocher a plus d'inertie que le petit. On dira qu'il est plus paresseux que le petit rocher. Alors, est-ce que tous les gros objets sont plus paresseux que les petits? Est-ce que l'inertie augmente toujours avec la taille? Ah oui? Tiens donc. Eh bien, mon bonhomme, pourquoi ne prends-tu pas un énorme cube de styrofoam et n'essaies-tu pas de le lancer? Et de l'attraper. Et puis, essaie maintenant de faire la même chose avec un petit cube de plomb. Est-ce que tu es toujours convaincu que les grosses choses sont plus paresseuses que les petites? Le petit cube de plomb était plus difficile à arrêter que le gros cube de styrofoam. Dans ce cas précis, le petit cube était plus paresseux. Il avait plus d'inertie que le gros cube. Donc, l'inertie n'est pas toujours égale à la taille, le volume ou la grosseur. En fait, quand on parle de la quantité d'inertie d'un objet, il n'est pas vraiment question de la grosseur de l'objet, mais de son aspect massif. Un rocher massif, par exemple, est un rocher qui contient des masses et des masses d'ingrédients ou de matières. Il n'est pas seulement gros, mais aussi solide. Disons, costaud. Il est massif comme peut l'être un bulldozer ou un joueur de football. Ce n'est pas facile de déplacer des choses comme ça. Pas plus qu'on ne peut les arrêter quand elles nous foncent dessus. C'est trop massif. À cause de cela, les hommes de science prirent le mot « masse » comme mesure de l'inertie. Plus la masse est grande, plus grande est l'inertie. Bien que le cube de styrofoam ait l'air beaucoup plus gros et beaucoup plus important que le petit cube de plomb, il ne contient pas autant d'ingrédients. Il compte moins que le cube de plomb. Sa masse est beaucoup plus petite. Mais quand on dit une grosse masse ou une petite masse, de quoi parle-t-on au juste? Pour le savoir, allons faire un tour du côté de Sèvres. C'est en France, près de Paris. Et c'est là que l'on garde précieusement un certain morceau de platine. Les hommes de science du monde entier se sont mis d'accord pour appeler ce petit bout de métal un kilogramme. Et c'est pratique, parce que si vous prenez une balance et que vous y déposez le morceau de platine sur un des plateaux et dans l'autre n'importe quel objet, un caillou par exemple, eh bien s'il y a équilibre, vous savez que le caillou a une masse d'un kilogramme exactement. Mais revenons au cube de plomb. Il semble bien que sa masse soit beaucoup plus importante que celle du caillou d'un kilogramme. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose le cube dans un des plateaux de la balance, on prend des tas de copies du kilogramme de platine, on empile ces kilogrammes standards dans l'autre plateau jusqu'à ce qu'ils s'équilibrent avec le cube de plomb, et puis on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 18, 19, 20, et voilà. Maintenant, on sait que le cube de plomb a une masse de 20 kg exactement. Bien sûr, on peut faire la même chose avec notre gros cube de styrofoam à l'allure si imposante. 1, 2... Désolé, on n'a que 2 kg de masse. Donc, le cube de plomb a une masse 10 fois supérieure à celle du cube de styrofoam. Et c'est ça qui explique pourquoi il est 10 fois plus difficile à déplacer.